Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode, pardon je coupe mon téléphone, de Robocraft, chers amis. Hop, j'avais mon écran qui m'éclairait la tronche. Donc plusieurs petites choses dont on va parler. Donc vous voyez, déjà c'est un nouveau robot, très dynamique. Et aussi j'aimerais peut-être revoir avec vous, vous qui regardez la série Robocraft, revoir avec vous certains détails de la chaîne. J'ai bien envie de modifier un petit peu la chaîne et de ne pas mettre certaines de vidéos certains jours, principalement le mercredi et le dimanche. Hop, voilà. Et en fait, faire de ces jours là des jours où je liverai quoi qu'il arrive. Crac. On y va. Hop. Voilà. Crac. Allez mon copain, tu vas bien réussir à me... à me régénérer dessus, non? Hop. Tu régènes ou pas? Il est bugué? Oh, il serait bien bugué celui-là. Ok, pourquoi pas. Je crois que Monsieur Mystery, il est complètement bugué. Pauvre petit père. Ah non. Wouah, le jeu est bugué de chez bugué. Hop, eh ben non, tu m'auras pas. Eh ben non, tu m'auras pas. J'ai visé à côté, par contre, c'est nul. Non, tu ne m'auras pas. Mouais. Boum, boum, boum. Tu me rates, tu me rates, tu me rates. Tant que tu me rates, moi, je m'amuse. Bonjour. 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 Bonjour, voilà, au revoir. Crac. Voilà, ça t'apprendra. Crac. Alors j'ai pas compris ce que ça veut dire dominating exactement. Est-ce que ça veut dire qu'on a eu un moment où il y a eu un TK? Ça m'étonne parce que lui il était devant nous. Voilà. J'ai plus d'énergie du tout. Ce qui, je l'admets, me pète assez les couilles. Voilà, on aura tout eu. Ils ont 0 points, d'accord. Donc en fait, je commence à comprendre les mécaniques du jeu. Ce robot, d'ailleurs, est assez horrible à utiliser. Tu veux bien perdre ton, voilà, ton arme, merci. Ok, ça se passe plutôt bien. On en est où dans le score, nous? On est au-dessus. De pas beaucoup, mais on est au-dessus. Merci de te remettre dans une position correcte. Pourquoi ils sont que 5 en face? 4 en face? Ah putain, la régène, j'avais oublié la régène, j'avais oublié la régène. La régène qui me fait beaucoup de dégâts. Crac. Si j'entends ça, c'est simplement pour dire que... pour dire qu'en fait, ça, le fait qu'il est régénéré, pardon, tout simplement. Mouais. Mouais. Normalement, je suis hors de portée. Voilà. Marcus, est-ce que tu pourrais virer les inactifs s'il te plaît, parce que, par exemple ceux qui sont moins de 10 000. Ouais, je vais le faire. Ouais, entre les deux tournages. Je rappelle, chers amis, que du coup, bah voyez comme quoi, voilà. Il faudrait éviter de rentrer dans le groupe si vous n'avez pas l'intention de jouer énormément.
con, je devrais utiliser le. Coucou Simon. T'as un problème Simon? Hop, voilà, victoire. Bon bah GG. Crac. Ok, donc voilà, donc bon, bah, premier épisode assez rapide finalement, hein. Je crois qu'il a duré moins de 5 minutes, hein. Voilà, 5 minutes 43 et encore. Ok, cool. Cool, cool, cool. Bon bah, robot efficace, hein, clairement, robot très efficace. Donc on va en faire plus d'une, hein, je vous rassure, on va en faire beaucoup plus d'une. Il va juste falloir que j'arrive à me démerder vis-à-vis du nombre de, comment, de minutes entre temps pour trouver une game, quoi. C'est assez long. C'est un peu dommage. Ok. Ah la vache, la moyenne est quand même vachement haute, hein. Je vais être un des pires du groupe, c'est la fête. Épique, d'accord. Pourquoi pas. Bah écoutez, très efficace et très joli, le mélange des couleurs est très très bien. Ok, bon on repart dans un autre alors. Oh, on pourra peut-être tenter une ranked. On va tenter une ranked. Ok, re, chers amis, donc on est en ranked. Ça y est, la partie devrait pas tarder à commencer. On attend encore en face. Principalement, parce que nous sommes tous prêts. Et nous attendons encore 3 personnages. Donc Anas 0188, 0180, ouais. Nous attendons encore aussi Bastard 01. Plus qu'Anas maintenant. Allez Anas, montre-nous tes fesses. Allez Anas, montre-nous ton cul. C'est bon, parfait. Mais je commence à me tourner côté la barbe, c'est terrible. C'est des vieux tics que je me tape. Enfin bon, c'est pas grave. Hop, on y va. Capture les points pour gather energy for your orbital annihilation weapon and destroy the enemy base. The battle for Vanguard's end has begun. J'ai vu l'ombre derrière moi, vous inquiétez pas. The enemy has captured the point furthest from your base. C'est bête, hein? Putain, y'a un snipe. J'ai un snipe sur la gueule. Non, j'ai pas la fibre. J'aimerais bien. Je chase l'ennemi parce que ça, c'est un truc qui peut nous faire des morts à foison. Crac. Et apparemment, on va y avoir un nouveau compo. Ils sont combien là sur moi? Merci. Il va y avoir un nouvel objet, nouveau compo. On aurait dit soit un drone, soit un sonar en termes de son. C'est-à-dire qu'ils ont balancé, vous savez, l'effet sonore actuellement. Du coup, on sait à peu près à quoi nous attendre. Mais sans plus finalement. Oh putain, il y en a un au-dessus. Il y en a un au-dessus, faut qu'on se bat. Vous voyez qu'on perd énormément en vitesse là pour le moment. J'aimerais bien descendre un petit peu. Ah la vache. Je voudrais pas crever bêtement. Merci. Si t'as d'huile, je veux bien. D'huile. D'huile. Allez, c'est bon, régène. Allez, on y va, c'est bon. Crac. Ok, dès que je perds le moindre pourcent, je suis moins efficace. Ok, je fais plus assez de dégâts. On y va. C'est bon. C'est passé. Pas de soucis. Lui, il s'envolera pas si loin.
crac. Ok. En termes de score, on a encore... Ah, on est qu'en 3ème position, bien joué. On est déjà à 50%. Ok, je me fais tirer dessus par autre chose. J'arrive pas à toucher, je me casse. Oh la vache, bien joué. GG. Première mort avec ce robot, ça va, tranquillement. C'est lui qui m'a tué. Bah là, là par contre c'est là qu'on voit qu'il y a un problème au niveau des armes quoi. C'est un shotgun, ça devrait pas me tuer à cette distance. Enfin bon, ce n'est que mon avis, hein, encore une fois. Oula, bien joué le jeu. Tu me fais pas stresser du tout, t'as raison, c'est très très bien. Nous sommes à moins d'une minute d'avoir... d'avoir vaincu, si je puis dire. Eh oui, on t'a attendu, tu payes maintenant. Ok, t'essaies de faire des choses toi, c'est ça? Crac. Alors j'ai appris, on m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Je l'ignore. Où est-ce qu'il est le nain? Il est là. Je ne sais pas si c'est vrai. Qu'en fait, si le jeu paraissait aussi mal abouti en termes d'équilibre, c'est parce qu'en fait, ils essaient continuellement de contrer tout ce qui est... comment que ça s'appelle? Cheater. Donc apparemment, en fait, ils essaient d'éviter les valeurs qui sont facilement, je vais dire, piratables. Et donc, via ce système, en fait, ils arrivent à réduire les possibilités de hack, si je puis dire. Hop, je me planque. Je me planquouille, voilà. Sac. Et je peux pas y arriver tout seul. Hein. Crac, c'est bon. Putain, je colle au cul de Bojack. Allez! C'est bon. Normalement, j'ai dû grimper les quelques points qu'il fallait pour reprendre la protonium. On va bien voir. Haha! 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 Sucker by. Ah! GG! Ah la vache, il m'a mis 300 points dans le nez aux dernières secondes. Comment il a fait ça? Ah la vache! GG à lui. Bravo. J'ai pas compris comment il a fait. Il a dû faire un kill en plus au dernier moment, peut-être. Je n'ai pas vu. Si vous l'avez vu, dites-le dans les commentaires, chers amis, par contre, je serais ravi de savoir. Ok, bon bah, on continue de chercher, là. On en fait un petit dernier. Jamais 203, comme on dit. Ce qui m'en fait 13 000 en plus. Donc oui, je disais... Protonium. Pas terrible, terrible. Vous voyez, c'est pour cette raison que je ne fais pas de case opening. Create opening pour ce jeu. C'est tout simplement parce qu'en fait c'est extrêmement aléatoire. Je me rappelle en fait il y en avait un, il avait pris deux fois 100 caisses. Et une fois il avait trouvé 4 légendaires, l'autre fois il en avait trouvé 13. Vous vous rendez compte, sur 800, donc ça fait quoi, 100 crates, c'est 8 objets, ça fait 800 objets. C'est juste incroyablement bas en fait le terme de rate. Il avait fait un tableau. Et c'était absolument écœurant. C'est pour ça que je ne veux absolument pas en faire, je vous déconseille d'acheter des crates. Sauf si c'est pour, par exemple, si vous le faites dans un Humble Bundle, par exemple, vous achetez plein de trucs en même temps, faites-le, mais n'achetez pas des crates directement dans le jeu, quoi, bêtement. Donc on va retourner avec ce robot, voir si on peut pas avoir le top lead en ligue, et on verra. Ok, on y est, chers amis. Troisième partie de l'épisode, et ce sera la dernière, parce que jamais 203, comme on dit, mais on n'ira pas beaucoup plus loin.
Quelqu'un arrive, je crois que c'est un shotgun. Attention. Attention. Putain, y'a un. Je vais en scred sur le point de le plus éloigné. En fait non. Ah la vache, ça risque d'être mon point faible. A mon avis, les seekers vont être mon point faible. Apparemment j'ai résisté mieux que prévu aussi. Pour reste, ce qui m'a étonné. Allez, j'y vais. Wow! Vous pouvez l'achever celui-là ou pas? Enfin, si vous y arrivez, quoi. C'est vrai que c'est la partie solide, ça, en fait, à mon avis. Voilà, ils ont pris un point. Le nôtre. On y va. Crac. Ok. Hop. Parfait. Oula, c'est bon, je l'ai eu. Crac. Putain, il a un shotgun devant. Oh la vache. Il a planqué un shotgun devant. Ma mort est potentiellement assurée. Aïe. Oh le sac. Ah ah. Il m'aime pas. Il m'aime pas en face. Il m'aime pas du tout. C'est pas grave. Putain, il a un shotgun devant. Regardez ça. C'est bien scred. Blanc et rouge comme ça, c'est bien. Bien discret. C'est dégueulasse. Voilà, mais on n'est pas aidé par nos copains. Putain, il est solide son truc. Oh la vache. Allez. Oh. Ok. Oh, je... Ah, ils ont peut-être réduit, c'est peut-être bien finalement. Allez, on capture, on cap. Allez.
Vache, je l'ai pas vu à droite. J'ai oublié celui-là. Hop, oula, oula. Il m'a mis cher. On reste sous le pont, on reste sous le pont, Marcus. Voilà, tu te calmes. Marcus, tu te calmes. Voilà, c'est bien. Crac. Putain, mais j'ai plus de... J'ai plus de direction. Il part en couille, mon machin. Ok, c'est bon. On la save. On la save, on la save. Parfait. Ok. Putain, il me pète les couilles, celui-là. Non, tu m'auras pas de cette manière. Il me fait mal. Les shotguns me défoncent toutes mes armes. C'est terrible. Qu'est-ce que ça veut dire, Kaonima, si vous savez, chers amis? Oh oui, ça c'était pas le bon robot. Oh la vache, c'est stylé son truc. Je sais pas si c'est efficace, mais c'est stylé à mon avis. Mon humble avis. Kaonima, Kaonima, je sais pas ce que ça veut dire. Par contre, ça c'est un peu. C'est un peu limite, mon cher. Oh the fuck. C'est un poil limite. On est en train de perdre tous les points. C'est le nain. Le nain me fait autant de dégâts que ça? Non, le nain! Le nain! Butez le nain! Kaoni m'a bi maintenant. Ah merde. Vous croyez que c'est bon quand il rajoute le bi? Aïe! Blah, j'ai vu l'ombre! J'ai vu l'ombre. Enfin bon, c'est pas trop dur de buter des cibles. C'est quoi ce qui m'a tué? C'est Moï. Non, c'est pas Moï d'Odir. Je veux savoir c'est quoi Moï d'Odir. Peut-être ça qui est dommage. Il manque un petit peu comme dans Overwatch finalement. Un showdown à la fin où on peut voir tous les robots de tout le monde. Ce serait même assez logique de pouvoir acheter le robot de la personne en question. Ce serait même un élément de gameplay intéressant. Voilà. J'avais oublié qu'il avait ça. Il est bien équilibré son robot, je veux pas dire, mais... Ah, apparemment il m'aime pas. Ah, j'ai pas le droit de faire mon cœur, c'est dommage. Hop. J'aime bien parce que c'est un mec qui prend un robot troll et qui m'insulte moi. C'est ça qui est génial. Attends bien que je te retrouve, toi. Il m'aimera pas à la fin de la partie. Il va désinstaller le jeu à la fin de la partie. Non, tu veux pas? J'ai bien de régène un petit peu. Ah merde, j'ai été touché. Non, j'ai pas été touché. Wow! Il y a du shotgun dans le coin. Ok. En fait là on a la win, donc on peut les chase un petit peu. J'ai pas réussi à le buter, dommage.
Aïe, je me suis pris un coup de shotgun. Les gens ne s'en sont pas rendus compte. Moi si. Mais je peux vous assurer que je me suis pris un tir de shotgun. Wouhou. C'est l'heure de la vrille. Hop. Donc ouais, pour en venir à ce que j'ai début l'épisode, enlever les vidéos du mercredi et du dimanche et y passer en live si possible quand je serai... Normalement c'est 95% du temps maintenant. Hein. Si je fais ça comme ça, ce sera beaucoup plus souvent. Et donc augmenter le nombre de lives tout bêtement et être plus à même de jouer avec vous. Je pense que ça correspondra mieux à ce que je veux faire de la chaîne. Et ce sera bien plus efficace si je puis dire. Ah, il est là-haut. Ah merde, sac, c'est pas toi que je vise. Et bon. Oh, victoire. Victoire, victoire. GG. Sucker Bay, on n'est pas tombé dessus. Ah, oh, il y en a encore un qui m'a monté par-dessus. C'est chiant. Ce qui est dégueulasse dit comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, chers amis, du coup, nous on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. On va regarder le rank up et on verra bien ce qui va en sortir. Crac. Et les crates aussi au passage. J'ai pas vu par contre, si on m'a parlé en chat, je suis désolé. Si vous m'avez parlé en MP, j'ai pas vu. Désolé. Et vous voyez, c'était une demande polie, bien faite, etc. Sans insistance. J'ai parfaitement bien répondu. C'est juste dans la manière. C'est toujours les manières et les détails qui font toutes les petites choses. Enfin bon, le rank. On reste en une étoile. Bon, d'accord, ok, pourquoi pas. A plus!